Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis Kwakano Hubert, un éleveur professionnel spécialisé en élevage du porc. J'ai finalement créé cette chaîne pour venir en aide à tous ceux qui désirent se lancer dans l'élevage, surtout celui du porc. Tout d'abord, tu sais, faire l'élevage peut vous rapporter gros en matière de revenus. Et c'est aussi magnifique et primordial de comprendre un animal et son mode de vie. Je t'invite donc à me suivre sur cette chaîne YouTube, en commençant par t'abonner pour ne rater mes vidéos de cours sur l'élevage du porc. Cette vidéo est titrée le cours numéro 1, il est nécessaire pour débuter l'élevage du porc. Quand vous tournez seulement dans l'élevage, vous disposez de certaines choses et de certains moyens. Il est à noter, il faudra au fond minimum 50 livres pour débuter ce business et ça dépendra aussi de votre capacité. Vous devez débuter à votre disposition un auge de 3 mètres de côté. Vous devez avoir un auge parce que c'est la chambre de votre animal. Les animaux en élevage doivent maintenir dans un lieu fixe pour avoir une observation complète sur eux. Vous pouvez débuter avec les portes de 45, c'est-à-dire les corps en début d'engraissement. Plus fiable et plus mondial que vous prenez des porcs de 16 différents pour assurer la reproduction. Il vous conviendra de prendre ceux d'une meilleure race car vous risquez de tomber sur des porcs qui ne grossissent ni demeurent en croissance malgré la bonne alimentation que vous leur offrez. Concernant les porcs, il existe plusieurs types de races. Nous avons la race métisse, la race drogba, la race allemande. Je pourrais mieux vous en procurer si vous en avez besoin. Contactez-moi si plus 229 62 52 92 91. Une fois votre loge et vos premiers pas à votre disposition, il vous préviendra à comment assurer une bonne entretien à votre porc pour éviter les infections. J'espère avoir été d'une très bonne utilité à travers ma vidéo. Alors rejoignez-moi sur ma prochaine vidéo sur comment entretenir le logement de son corps pour lui éviter les infections. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.